Hello les papis et mamies, c'est Lady Gaïa. Aujourd'hui, petit événement, je relève le défi lancé par un abonné, Aminix, créer un labyrinthe dans ma ferme avec des haies. Alors j'ai trouvé l'idée assez sympa et originale. J'ai dû y réfléchir un peu et surtout j'ai dû faire de la place dans ma ferme, la réorganiser. Et vous pouvez voir que ça a un peu changé, les pêchers se retrouvent autour des machines, mon poney fait du moonwalk sur les mûriers, les vaches et les cochons se retrouvent en bout de ferme, alors je n'ai pas débloqué toutes les parcelles encore, j'essaierai de retravailler dessus quand j'aurai toute la place, en tout cas j'ai dégagé un grand espace au milieu et j'ai construit un nouvel enclos à mes grenouilles et à mes renards. Ça n'a pas été simple de déménager ces petites bêtes, les renards et surtout les grenouilles, elles voulaient pas trop bouger. J'ai dû sortir les étangs pour les attirer et j'ai bataillé un peu pour les faire remonter dans l'enclos, mais tout s'est bien terminé, tout le monde est là. Et notre mamie Gwen a eu la même idée de décorer sa ferme avec un labyrinthe et elle nous en a fait un très joli en utilisant deux sortes de haies, les haies fleuries et les haies normales. Elle a mis une décoration du derby au milieu et des feux de camp pour marquer l'entrée et la sortie. Alors les papis, c'est parti, c'est à nous de jouer! Je me suis mis un petit repère pour savoir où je devais démarrer. Je vous ai dit, j'ai dû y réfléchir un peu, j'ai dû faire des calculs les amis pour savoir combien de places je devais libérer, c'était pas facile. Et alors l'entrée n'a pas été choisie au hasard. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le petit chemin qui mène vers Rose et Ernest pour ceux qui l'ont reconnu. Et alors moi j'aime pas trop les engager avec moi, ils sont toujours au chômage, ils sont toujours en train de tricoter tranquillement. Parce qu'ils fichent toujours un petit peu le bazar dans les provenderies ou la sucrerie et la laiterie pour Ernest. Et ça me complique toujours la vie quand je vais prendre une tâche du derby, nourrir les animaux et que Rose a déjà lancé je ne sais quoi en production. Je veux nourrir des poules et j'ai 50 rations pour cochons ou moutons en fabrication. Et c'est pareil pour Ernest, c'est jamais ce qu'on veut, c'est jamais ce qu'on a besoin pour les bateaux. Si on veut lancer plein de crèmes, et ben on découvre joyeusement plein de fromages dans sa laiterie. Ou du sirop dans sa sucrerie, et donc pour l'instant je les laisse tranquilles, et si jamais ils veulent venir me voir dans ma ferme, eh bien ils auront du mal à passer. Je vais leur rendre l'accès compliqué. Alors pour l'instant je travaille uniquement sur les haies normales, voilà, je fais toute la structure de mon labyrinthe, et vous allez voir après l'intérêt d'utiliser deux haies différentes. Alors déjà, un premier intérêt, c'est que plus on achète de la même décoration, plus ça coûte cher, vous l'avez sûrement déjà remarqué. Donc quand vous décorez vos fermes, surtout au début quand vous avez besoin d'argent pour acheter les machines, n'hésitez pas à alterner les décorations, parce que si vous achetez tout le temps la même, là j'en ai beaucoup en stock, mais vous allez voir que c'est de plus en plus cher. Ça c'est un peu une bizarrerie dans ce jeu, mais il faut se méfier. Alors pendant que la structure de mon labyrinthe prend forme sous vos yeux ébahis et émerveillés, et que j'essaye de pas trop me tromper et de ne pas trop faire n'importe quoi, j'ai déjà fait quelques tests à l'avance, alors j'essaye de retrouver mes repères. Eh bien, je vais vous raconter une histoire, les amis. L'histoire d'une vieille fermière. Alors c'est une vieille fermière qui habite seule dans une vieille cabane avec son vieux chat, et un jour, alors qu'elle fait du jardinage, elle voit une grenouille prise dans un piège à souris. Alors elle, d'habitude, elle déteste les animaux à part son chat, mais elle la prend, elle la soigne et lui donne quelque chose à boire et à manger. Et c'est alors que la grenouille se transforme en fée et lui propose de réaliser trois de ses souhaits. Alors la vieille fermière, elle réfléchit et elle dit « J'aimerais que ma cabane soit un château. Ensuite, comme deuxième vœu, j'aimerais retrouver la jeunesse et la fraîcheur de mes 20 ans. Et troisièmement, pour finir, eh bien j'aimerais que mon chat se transforme en prince charmant. » Sitôt dit, sitôt fait, donc le chat se transforme en prince charmant. Et alors il prend la parole et lui dit « C'est maintenant que tu vas regretter de m'avoir fait castrer. » Pauvre bête, c'est pas mal pensé. On va essayer de s'en rappeler des fois qu'on croiserait le chemin d'une fée qui nous proposerait de réaliser des souhaits. Sait-on jamais, on dit que tout peut arriver dans la vie, on va continuer d'espérer qu'il nous arrive des bonnes choses. Alors je poursuis mon labyrinthe, je poursuis, et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà ce que vous pensez de ma nouvelle ferme. Est-ce que vous trouvez que j'ai eu des bonnes idées pour faire la place pour mon labyrinthe, ou est-ce que vraiment vous regrettez l'ancienne et que c'est la catastrophe? Et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du labyrinthe qui prend forme sous vos yeux. Alors voilà, ici je vais faire descendre ces haies. C'est un vrai labyrinthe, hein. J'ai étudié le chemin, il y aura un chemin. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ça c'est mon coffre qui m'empêchait de mettre les haies. C'est bizarre qu'il y ait des coffres qui apparaissent dans vos fermes. Essayez de mettre un élément de décor dessus, vous verrez, vous n'y arriverez pas. Il faut déjà ouvrir le coffre, évidemment, des fois quand vous les ouvrez, ils sont verrouillés. Il faut dépenser des diamants pour les ouvrir, et ça bien sûr, il ne faut pas faire. Alors je continue, j'étais en train de raconter qu'il y a un vrai chemin dans mon labyrinthe que vous pourrez suivre, mais ce ne sera pas facile les amis, je vous l'ai dit, je ne veux vraiment pas voir Rose et Ernest débarquer dans ma ferme.
Alors en bas, vous pouvez voir un autre de mes repères et là, ce sera la sortie du labyrinthe, la sortie qui sera gardée par des grenouilles. Au cas où Rose et Ernest arriveraient quand même à trouver le chemin, ils auront affaire à mes grenouilles gardiennes. En fait, c'est des grenouilles qui se baladent tout autour. J'ai mis une fontaine, des étangs, partout dans ce coin-là. Et je ne sais pas, elles ne veulent pas rentrer dedans en fait, donc elles restent autour. Et elles sautent joyeusement autour. Enfin, c'est pas grave, j'en ai toujours un peu dans ma ferme, je les laisse tranquilles. Alors, celui-là, je vais le faire rejoindre. Alors, vous pouvez voir que maintenant, je paye mes haies. Je vais me ruiner, j'avais dépassé le million, mais alors là, je sens que ça va faire mal parce que je suis quand même assez loin d'avoir fini la structure. Et comme j'utilise tout le temps le même type de haie, eh bien voilà, je dépense mes sous. Vous pouvez voir, j'en suis à 562 pièces et ça monte encore pour une haie. À chaque fois que j'en achète une, ça monte pour la suivante. Ça va faire mal les amis, ça va faire mal, je sens que ça va faire baisser mon chiffre d'affaires et que finalement j'achèterai pas le tracteur de sitôt. Alors s'il y a des réclamations, c'était le défi lancé par un abonné. Hein. Aminix, tu seras responsable si j'achète mon tracteur plus tard. Et en plus je pensais avoir beaucoup de haies en stock, je pensais vraiment pas forcément dépenser d'argent pour ça. Je vous l'ai dit, j'ai fait des tests jusque là mais j'avais pas terminé, je voulais juste voir un petit peu comment ça se présentait. Et en fait je dois quand même en acheter beaucoup. Allez, je termine mon petit chemin. Là, je vais faire des zibouiboui, des petites lignes, hop, pour passer autour. Et je pense qu'on commence à être pas mal sur la structure. Je jette un petit coup d'œil global. Alors, je pense que je n'ai rien oublié. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est la structure de base de mon labyrinthe. Et maintenant, qu'est-ce que je vais m'amuser à faire? Eh bien, je vais utiliser le deuxième type de haies, les haies fleuries. Ça va faire mal aussi. Bon, j'en ai environ 70 en stock, 70 si vous préférez. Et je vais m'amuser à les disséminer un peu partout. L'intérêt d'utiliser un deuxième type de haies, c'est que vous voyez, ça laisse un espace entre les deux haies. Parce que si j'avais utilisé les mêmes haies, ça se serait collé en fait, ça n'aurait pas fait de chemin. Et tandis que là, ça va créer un chemin assez étroit, un chemin double en fait. Ça va complexifier un peu la structure de mon labyrinthe. Et là, je vous souhaite bon courage les amis pour trouver le chemin. Il y a une entrée, il y a une sortie, elles existent, mais je sens que je ne vais plus avoir de nouvelles de Rose et Ernest pendant un certain temps. Et alors n'hésitez pas si vous aussi vous avez des idées pour votre ferme, des idées de décoration originale, de création de formes, que ce soit un labyrinthe ou autre chose avec vos champs ou des éléments de décor, que vous soyez inspiré par des images que vous retrouvez sur internet, d'autres fermes, ou que vous ayez des idées uniques hein, tout seul, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser votre identifiant de joueur et je viendrai peut-être faire un tour et faire un petit film dans vos fermes. Donc à vos doigts les artistes, hein, à vos écrans de tablette. Alors je commence l'arrivée vers la fin de mon stock de haies fleuries, ça va bientôt faire mal au porte-monnaie quand je devrai les acheter. Je sens que mon million va être mis à rude épreuve dans cette vidéo, hein. Je ne sais même pas si je vais pas passer en dessous de la barre du million. Je voulais m'acheter un tracteur dans une vidéo à 1 500 000 pièces pour célébrer mon passage au million, donc j'essaye toujours de gagner des pièces. Mais je sens que dans cette vidéo, ça va être compliqué. Alors je laisse un petit espace au milieu, j'espère qu'il est bien au milieu parce que j'aimerais y mettre une statue. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas l'espace est fait. Et ça y est, je commence à acheter les haies, vous voyez que j'en suis déjà à 790 pour une haie fleurie. Et je suis loin d'avoir terminé, aïe aïe aïe, je suis à 1 018 000, 17 000, ça va défiler, à mon avis j'atteindrai plus vite le niveau 85 que le 1 500 000, vous verrez mon tracteur un peu plus tard. Et en ce moment je vais vous dire, je suis bien contente d'être sur Haïdé parce que sur Haïdé il fait toujours beau. Ce qui n'est pas le cas de la Belgique. À tous ceux qui se posent la question, bien je suis dans l'ouest de la Belgique, je suis belge. Il était dans l'ouest une fois, et ici le temps est variable. Ça va de l'averse à la petite pluie fine, à la grosse drache. On a un été bien pourri, on est en plein mois d'août et c'est vraiment la misère de ce côté. Donc avoir des paysages un peu colorés, un peu ensoleillés, ça fait plaisir. Je vérifie que j'ai bien mis toutes les haies ici. Alors les pommiers cachent un peu, bon, ça rajoute un petit peu de mystère, hein, cette partie du labyrinthe. Mais en tout cas, il n'y a pas d'ouverture dans les pommiers. Ne la cherchez pas, elle n'existe pas. Je continue de remplir avec les haies fleuries. C'est la catastrophe, ça me coûte plus de 1000 pièces pour une haie fleurie. Je crois qu'il y en a qui doivent se dire « Ah, qu'est-ce que tu fais avec tes pièces? Moi j'ai besoin de 50 000 pour ma prochaine machine et moi j'achète des haies fleuries à 1000 pièces la haie. »
Ah là là, c'est dingue, j'en suis déjà à 957 000 pièces, mon million a bien diminué. Je sais pas ce que ce labyrinthe m'aura coûté au total, mais il m'aura coûté bien cher. Merci à Minix. Superbe idée. Et j'arrive à la fin. Wouhou, mon labyrinthe est terminé. Regardez le résultat. J'espère qu'il est beau. Dites-moi si vous l'aimez dans les commentaires. Alors je vais placer ma statue, mon petit Cupidon au milieu. Je sais pas si elle est bien centrée, mais je la voyais là depuis le début. Bon, je verrai par la suite s'il faut modifier quelque chose. Alors les amis, est-ce que vous avez trouvé le chemin? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bien sûr, à liker la vidéo si vous l'avez aimé, si vous avez aimé ce petit travail. Si vous avez d'autres défis, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à très très vite pour la suite de l'aventure.